In het Vlaams parlement is momenteel een fototentoonstelling te zien over de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd. Carles Puigdemont, voormalig minister-president van Catalonië en een van de gevluchte leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, woonde de opening van de expositie bij. In zijn toespraak toont hij zich heel dankbaar en strijdvaardig. Een groot merci à la Flandre. Een groot merci à l'engagement de le président Puigdemont, qui n'a hésité pas de dire ce que il y a une grande quantité de citoyens européens qui pensent. Et lorsqu'on devra raconter à les générations de l'avenir cette partie de l'histoire de la Catalogne, on devra parler de vous. Et donc un grand merci en nom de tous ceux qui sont persécutés, qui se battent pour la même cause, que c'est la cause de la démocratie en Europe et en débutant pour chez nous. Merci à tous. De lofbetuigingen aan het adres van Jan Peumans vallen niet uit de lucht. De parlementsvoorzitter schreef een brief aan de voormalige voorzitter van het Catalaanse parlement, Carme Forcadell. Zij zit sinds maart 2018 in Spanje opgesloten wegens rebellie. Een brief die de Spaanse regering niet kon appreciëren. Toch blijft Peumans achter zijn woorden staan. Politici opsluiten, dat is een daad van geweld. C'est pourquoi je répète avec vigueur les mots que j'ai écrits dans ma lettre à madame Forcadell. La violence exercée le jour du scrutin en Catalogne était l'expression d'une politique antidémocratique. Garder les politiciens en prison pendant des mois est encore plus anodin et fait la preuve que le gouvernement espagnol est incapable de remplir les conditions pour faire partie d'une Europe démocratique. De fototentoonstelling, de Stembusrevolutie, loopt nog tot en met 24 oktober in het Vlaams parlement. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.